Face à la situation sociopolitique ivoirienne délétère, les ambassadeurs libres ensemble de la francophonie ont entamé une série de rencontres avec les leaders politiques, groupements politiques et autres de la société civile. Ces hommes et femmes, avec à leur tête le chairman Mohamed Salamé dans leur action, prônent la paix, la cohésion sociale, la paix et appellent à l'apaisement du climat social à l'approche de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. À cet effet, le président Mohamed Salamé et des ambassadeurs libres de la francophonie, AliEF, son président délégué, le professeur Ali Ouman et certains membres sont allés échanger avec le président de l'IDE, Mamadou Koulibaly, candidat à la présidentielle qui avait à ses côtés certains de ses assédres. Selon les propos du président de l'AliEF, le chairman Mohamed Salamé, ce moment passé avec le candidat le professeur Mamadou Koulibaly, a été très enrichissant et augure des lendemains meilleurs quant à l'implication du leader et de son parti dans le processus électoral et dans l'apaisement du climat social pendant cette période électorale. Nous avons eu une oreille attentive et une personne disposée à nous accompagner, dans notre quête de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble et d'union, a révélé le président de l'AliEF, le chairman Mohamed Salamé. Dans les jours à venir, des rencontres sont prévues avec les hauts responsables des partis politiques que sont l'UDPSI, de Albert Mabry Touakeus, EDS du professeur Georges Ouénien, le RHDP, d'Alassane Ouattara, le FPI d'Affine Guessant et bien d'autres. Dieu est amour-croix, Monsieur Sherman Mohamed Salamé.